Voilà, c'est ce qu'ils appellent les Killing Fields à Siem Reap. Et alors, pour notre sixième jour à Siem Reap, on est revenu au Taprom. C'est notre préféré avec le Bayon. Le Taprom, c'est les figuiers géants là, qui poussent partout sur les temples. Creando un'ombra a macchie e le sue torri, le sue mura e rovine sono strette nel lento e inesorabile abbraccio di un vasto intreccio di radici. If we cut it, we get died. Here, this tree get died. It damage of this building. Oh, so if it's alive, it's not so heavy. Yeah, yeah. It's not so heavy. Bon ben voilà l'ambiance ici, on en est au sixième jour, on est fatigué, on en a un peu marre des temples. Je crois qu'on va vite se sauver et on va aller prendre des vacances à la plage. Ça vous dit la plage? Bon ben c'est l'heure de la pause hein, parce que là il y en a soupé des temples, etc. Donc on est en train d'acheter des t-shirts. Hein, Gabriel? Et je crois que demain on va s'en aller parce qu'il y en a marre. Six jours de temple, on est à HS. Bon ben voilà, on s'en va. On va acheter des billets de bus pour aller à Phnom Penh demain. On a décidé qu'on zappait une journée. Et on va aller à Phnom Penh pour aller à la plage. Ah bah voilà, on est bien dans notre guest house. Font de l'élevage de crocodiles. Je sais pas si c'est pour faire des sacs à main ou quoi, mais alors ça c'est les petits modèles. C'est déjà bien agressif ces petits machins là. Et ça, c'est les grands modèles. Voilà, on est bien entouré dans notre guest house. Et croco partout. Moi, c'est les petits que j'aime bien, là, ils sont méchants.